Et yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Satisfactory. Alors, tout est prévu. À peu près. Plus ou moins. Pour continuer là notre production. Oui, vous allez me dire, là j'ai plus l'inventaire plein avec plein de merde qu'autre chose. C'est totalement le cas. Tout est prévu. Vous voyez, j'ai rempli en vrai... j'ai rempli pas mal de coffres pour être sûr de... de pas... Putain, je montre, et là je vois un coffre vide. Pour être sûr d'avoir suffisamment de matériaux de construction. Voilà, il y a des choses. Hein. Voilà, il y a des choses. Ça c'est mon coffre bordel, tiens. Je le reconnais, lui. Vous voyez, hein, y a vraiment pas mal de bordel. Et donc, ce qu'on va faire aujourd'hui dans cet épisode, c'est... faire la production donc de résidus de pétrole brut, qui va nous produire d'autres choses à côté. Attendez, la raffinerie, je vais vous montrer. Alors, voyons voir. Moteur. Je sais plus si ça fallait. Je crois. Vraiment une mémoire. Des fois, elle veut pas. Hein. Ça et ça, voilà. Donc je vais vous montrer avec une raffinerie. Donc ce que je vais faire. Oh, ça c'est trop bien. Faut que je modifie ça aussi un jour. C'est. Je vais faire du caoutchouc à partir du pétrole brut. Le caoutchouc, ça me fait 20 caoutchoucs et 20 résidus de pétrole brut par minute, là où le plastique me fait uniquement 10 résidus de pétrole brut. Et pour avoir le maximum de résidus de pétrole brut, bah, par rapport au calcul là que j'ai fait, il me faut il va me falloir full caoutchouc, donc il va me falloir 10 raffineries de caoutchouc. Ouais, rien que ça. Rien que ça. J'ai vu également ici, je crois que j'avais fait un truc. Bah, il est où ? Ah. Là on a notre pétrole, c'est du normal, et donc si je le booste à fond, ça va me produire 300 par minute. Donc ça c'est très bien. Hop, donc là je vais juste dire que j'ai pas de béton, mais ça c'est normal parce que j'ai tout rangé. Il va falloir retrouver. Il est là-bas. Allô, le jeu. Merci. Merci d'arrêter de planter comme ça, ça m'arrangerait un peu. Donc, 9. Je peux. Oui, s'il te plaît. Merci. C'est terrible ça. Bon. Comme ça. Alors, on va peut-être se calmer quand même. C'est un peu beaucoup là. Et. C'est les feux là, les trucs là qui traînent en plein milieu, c'est pas très très beau. Ça fait pas sérieux. Hein. Voilà. Là je place mon puits de pétrole, mais j'ai pas mon câble. Attendez, là je suis allé en chercher. On voit du câble là. Et je me suis dit c'est bon, je veux pas en manquer comme l'épisode d'avant. Normalement j'en ai pris un paquet là. Ouais, 1002. Je pense que 1002. On va voir venir. Hop hop, bon ça c'est pas très bon mais c'est voilà. Oh, trop bien. Du persil. Non c'est pas ça. bref, ça. Et ça c'est moche hein, en soi. On est d'accord. On va faire comme ça, en façon kikiner. Ça bougera à mon avis. Parce que je trouve ça moche. Voilà, merci. Voilà. Raffinerie, dans le puits plutôt. Il me faut des tiges et du fil, hein, forcément. Du tige, j'en ai là. Et du fil, j'en ai ici. Tac. Et tiens, on passe en petit. Impeccable. Je booste la prod.
Oh putain, je suis passé en travers des deux. J'aurais voulu le faire exprès que j'aurais pas réussi. Donc 300 comme je disais de production. On va envoyer ça, on va envoyer par là. Donc qu'est-ce qu'on va faire, hop, c'est ça. Ok. Après je me débrouillerai. Et bah, tout ça, ça va dans de la raffinerie, hein. Et ouais. Qui va me produire de la caoutchouc. Donc logistique. Ouais, je peux passer du MK. Ouais, voilà, pourquoi sans kikiner. Manque plaque de fer. Ça pareil, j'en ai pris. Alors la question c'est toujours de dire où ? Ici ? Ouais. Je suis sûr d'en avoir pris. Allez, pipeline. Hop, 2 des auto. Je suis droit là. Je suis droit. Tac, 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 tac. 1, 2. Et hop là. Et ça, je le fais passer par en dessous en vrai. Hein. Alors, ma question c'est. Courbe. Moi, ce qui me dérange, c'est ça. Ouah, c'est génial ça. 2D auto, ok. Et là, je mets vertical. En vrai, c'est un certain style. Bon, ouais. Il y avait un petit bug graphique, ça s'est réalisé. Hein, c'est bon. En vrai, c'est un petit style. Ça, là, comme ça. Oup. Là, en plus, c'est que de la descente, donc j'ai pas besoin de faire remonter. Je pense que j'aurais même pas besoin de mettre autre chose derrière. Bon. Juste dans le cas où. Bah, il faut des. Oh non. Me dis pas que c'est ça que j'ai encore oublié. Les cadres lourds. J'en ai. C'est bon, j'y ai pas pensé. Hein. Ça, j'y ai pas du tout pensé une seconde. Hein. Petit coup de peau quand même. Quoi ? Plastique. Oh merde. J'en ai déjà utilisé beaucoup du plastique en vrai. Et si j'en ai pas. C'est qu'il doit pas m'en rester des masses. 92. J'ai presque envie de produire du plastique ici. Bon, il y en aura à terre, moi, je pense, dans le coin. Parce que j'ai encore deux sources de pétrole, une normale et une pure. Ici, ça produit vraiment beaucoup. Pourquoi je peux pas le mettre là? Voilà, allez, pompe parcelle. Là, je vais sûrement faire. Je vais même faire un agrandissement là. Je vais dire de 3 pour commencer. On verra ensuite. Parce qu'il va me falloir, comme je disais, 10 raffineries. Alors, ça, oui, alors. Dans un premier temps, il va me falloir 10 raffineries. Que pour le caoutchouc. Ensuite, il va m'en falloir 20 pour faire de la poudre sans fumée. Donc ça fait beaucoup. Oui. Ça fait beaucoup là. En vrai de vrai, je suis en train de forcer. Mais... ça, je peux le faire. Comme ça, on fera l'alimentation. Donc là, on va mettre les raffineries. Mettre la première ici, ça serait bien. Alors bon, il va me falloir plus de matériaux de construction, bien évidemment. Donc moteur, poutre en béton, truc, et tuyau. Moteur, je crois que c'était là-bas.
Moteur. Poutre. En... Bah les deux sont là. 1, 2, 3. Là. Ça devrait suffire pour l'instant. Donc là j'en ai 10 à placer. Donc est-ce que. Là je réfléchis. Est-ce que je mets tout en largeur? Ouais. Bah ouais, je vais tout mettre en largeur. Je sais combien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Genre, ouais, je vais pas avoir le choix, quoi. Tout mettre en large. Je vais chercher du béton. Parce que... là, en tout, en fait, j'ai 30 raffineries à mettre, quoi. Rien que ça. Ouais, bon, à 30, quoi. Alors, merci. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sept, huit. Oh, je me suis éjecté là, j'ai pas compris. Je pense qu'avec ça en largeur, je devrais avoir les 10. Je vais agrandir là, je vais juste mettre normé, j'ai envie de dire. Je sais pas comment dire. Mettre à la bonne taille. Parce que là, dans tous les cas, je vais avoir besoin de tellement de place pour les raffineries que je pense que ça va être utile. Là. Putain, j'ai utilisé beaucoup de béton. Hein. Pareil, heureusement que j'en prends en rab. J'ai déjà sauvé la mise une ou deux fois. J'espère que ça va me suffire encore une fois ici. Donc, nos 10 raffineries. Qui produiront du caoutchouc. Pas résiduel. Caoutchouc tout court. Parce que résiduel, en vrai, c'est... ouais, ça va partir, ouais. Ah si je suis du carburant, ça me prend ça et ça me fait ça. Non, ça m'intéresse pas ça. Le carburant là en vrai, c'est pas ce dont j'ai besoin. Je suis pas bien là. Ah, je suis pas assez près là. Tac, tac. Voilà. Alimentation en général ici. Tout ça, ça doit être alimenté. Alors, voilà. C'est à l'arrêt, mais alimenté. Merde. Alors, attendez, c'est pas bon, je me suis copié. CTRL V, V, et 4, 5. 7, 8, 9 et 10. Voilà, là on est bien. En entrée, on a que du liquide. C'est bon là, non? Et c'est du... Ah tiens, c'est original, ça, Caterium. Waouh! C'est dégueulasse. Attends, quand ça rentre en brut comme ça, c'est... Ah oui, c'est noir. C'est ça. C'était pour vérifier de...
On va colorier. Paf, 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 paf. Attention à la sauvegarde auto, me dit-il. Ouais, bah la sauvegarde auto, elle m'a eu. Je crois qu'elle arrive juste après, c'est pas grave. Et les tuyaux. Bah tiens, je me suis fait avoir là, j'ai pas eu. Hop, on refait un coup de couleur, un coup de peinture, s'il vous plaît. Voilà. Je vais raccorder tout ça au système de suite. On va voir déjà si ça tourne bien. Ou si ça tourne pas bien. Pardon. Quoi ? J'ai pas d'autre chose, là ? Ouais ? J'ai refait un pouf encore. Je suis un peu trop loin là. Ok, ok, donc tac tac. C'est fou là, j'ai un truc, mais je sais pas quoi. Ah, ça se considère comme étant. Je pense que c'est marrant, j'aime bien. 3, 4, 5, 6, 7. Allez, tout ça. Hop, on met de la jolie couleur. Ou plutôt, on met pas de couleur. Impeccable. Et là, est-ce que c'est droit ? Non. Oh, j'aurais voulu le faire exprès que j'aurais pas réussi. C'est trop bien quand ça se passe comme ça. Hop. C'est quoi, je vais mettre la couleur sur tout le monde. Voilà. Ah, je te vois toi. Voilà. Et là ça doit rien du tout, c'est bizarre. Comment ça fait rien? Ok, là c'est full of pétrole là. Ah, c'est peut-être en train de le remplir en bas, je dois vous dire. Ouais, c'est en train de remplir tranquillement en bas. Surtout tout au bout là, ça va mettre un peu plus de temps. On peut voir que le débit est pas terrible. C'est en train de monter tranquillement. Ça a du mal un peu hein, quand même. Après ça doit remplir quand même un sacré paquet de trucs. Une fois les tuyaux et les raffineries pleines, je regarderai ce que ça donne. Parce qu'en vrai là en dénivelé de 50 mètres je pense que je suis tranquille. Hein. En dénivelé. Hein. Surtout qu'il y a beaucoup de descente, il y a de la descente on va dire. Il y a à remonter mais bon ça c'est... On va faire deux choses. Alors je me tâte un peu. En plus j'ai fait de la merde. En plus c'est caoutchouc quoi. Bon bah j'aurais produit du plastique, hein, écoute. Je dois avoir foutu du caoutchouc tout du long.
J'ai récupéré un peu de plastique. C'était tout prévu, bien sûr. Non, je produis 200 caoutchouc à la minute. Est-ce que je ramène tout sur le haut et je fous ça dans le broyeur direct? Est-ce que je ramène en bas? Je vais ramener en bas. Dans le sens où j'ai pas de liquide à sortir. Et enfin, premièrement, j'ai aucun liquide qui sort, donc ça va pas me gêner, on va dire, en dessous. Comment ça? Bah si, j'ai du liquide qui sort, je suis trop bon des fois aussi. Mais surtout dans le sens où, si je m'en sers plus tard, ce qui sera très probablement le cas, je veux déjà avoir le tracé de fait, quoi. Non. Ça c'est chiant par contre. C'est quelque chose. Groupeur. Voilà. C'est pas terrible mais. C'est pas très grave. On va pouiller à bouger ça. Voilà, comme ça ça ne gêne plus. Et là ça a bien produit. Hein. Là, vous pouvez voir que mine de rien, la poudre noire elle a bien produit. Hein. Allez, on alimente tout ça. Enfin, on alimente. Non, on alimente. On vient rechercher. On vient chercher notre produit semi-fini, j'ai envie de dire. Fini, mais semi-fini. Semi-fini pour l'instant, mais qui... Non, fini pour l'instant, mais semi-fini à terme. Bah, dit comme ça, c'est bizarre. Normalement, je vais avoir que du caoutchouc. Pas grand chose. Ah oui. Mais bon, il va revenir, il va arriver le caoutchouc. Vous en faites pas. Tac. Voilà, voilà. Et ça, je vais l'envoyer dans un broyeur qui va être. Tiens, que je vais foutre là pour l'instant. En vrai, là, comme j'ai un espace qui ne sert absolument à rien, je vais l'envoyer là. Spécial broyeur, j'ai pas de plaque de fer en français. On va y chercher une centaine. Et j'ai du pont et du con là. Allô? Ah, voilà. Ok, j'en ai là. 104, bonne santé. Broyeur. Que je mets là et que je mets là, voilà. Ça j'ai tout qui va là. Ça fait plein de caoutchouc, c'est dommage. Mais bon, ça fait des points. Au pire des cas. Ça vide bien le caoutchouc. Bon là, il devrait y en avoir un peu plus. J'ai rien dit. Surtout, ça nous fait du résidu de pétrole. Donc, par passage, un seul pour pipeline. Ici c'est à peu près, non, je crois que c'est bon. Hein. Logistique, c'est que dans un sens que ça fonctionne. Ok. Ça, on
on va faire ça. Petit coup de frise, on n'a rien vu. Hop, petit coup de couleur. Ok, donc là je produis tout mon résidu de pétrole brut. Ça c'est bien. À partir de là, j'ai pas ce qu'il faut aller chercher. On va devoir faire nos 20 raffineries là. Ouais, mine de rien, 20 raffineries. Ensuite, j'avais ce qu'il faut, tiens. Comment j'ai calculé mon bordel moi? Comment j'ai calculé? Ah mais non, je sais pas, oui non, 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 non. Alors moteur. Moteur. Ça c'est bon. Les tuyaux. Faut ça. Alors, de toute façon, je vais en prendre un peu en rap parce que je vais en avoir besoin. Je sais même pas si j'en ai pris assez en rap, c'est pas grave. Donc les raffineries, on va les placer. Je suis aligné là par rapport à l'autre, je pense. Ouais. Donc 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et le bon côté, c'est que ça sera plutôt facile à placer. Oui. Hop, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Donc là-dedans, j'ai deux choses qui rentrent. J'ai à la fois la poudre noire. Et à la fois les résidus de pétrole lourd. On va aller chercher. S'il me manquait quoi, tige. Je vais voir si j'ai de quoi faire. Tige et plaque. Ouais, je vais me prendre en rap des tiges et des plaques là. Donc tac tac. Hop là-bas. On va prendre ça, comme ça on sera sûr d'avoir ce qu'il faut. J'avais quand même bien avancé, hein. Je pensais en avoir fait que 2-3, non. Ouais, j'ai 8. Hop. Ouais, je vais m'occuper de la sortie. J'ai que ça.
Alors pareil, ça je l'envoie en dessous. Dans le sens où à terme, je crois que j'aurais besoin de renvoyer une partie de ma production de poudre sans fumée. Du résidu de pétrole lourd. Sur ceux-là, il veut pas là. C'est une dinguerie ça. Ok. Ok. On va faire l'alimentation électrique. C'est vrai que j'ai totalement zappé là. Ça c'est bon. Là aussi. J'ai du mal hein, aujourd'hui. C'était il y a quelques épisodes, pareil, j'avais du mal à placer mes poteaux électriques. J'ai perdu l'habitude de faire tac, 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 parce qu'au ralenti, en fait, là, je prends mon fil, j'amène, je pose mon poteau, je clique sur mon poteau, je branche, là, à ma raffinerie, et je reclique sur le poteau. Et ça fait... Ça fait pas du tout ça, parce que je me suis gouré comme une merde. C'est ça, voilà. C'est moi, j'ai plus de câble. Si, c'est bon. Hop, on relie dans quel sens? Tac. On fait les sorties. Normalement, c'est dans le bon sens. C'est dans la bonne direction, je veux dire. Ok, impec. Hop, alors, changement de direction. Beaucoup en entrée, hein. 20 par minute. Oui, c'est bon. Hop, on va customiser tout ça pour dire bah ça c'est sont des résidus de pétrole lourd, c'est du résidu de pétrole lourd là. Hop. Galère un peu là le PC hein, je sais pas ce qu'il a là, je l'ai redémarré pourtant mais... C'est peut-être la map qui commence à se charger et donc il devient un peu trop lourd en prod, je sais pas. Comme j'ai pas une machine exceptionnelle,
Voilà, on recolorise. Ok. Oui, c'est la sortie là. Donc, t'es proche. Non, j'ai l'air correct. Hein. Faut quand même vérifier. Mais... Oh, on est impeccable. On va placer nos listes de sortie. Ah bon, ceci, bon, ok. Bon. Un truc. Ça m'en fait sortir 200. Ouais, c'est bon, 200 dans les 8 pétrole lourd. Chaque truc en consomme 10. Ok, un peu que ça me va. En fait, je voulais voir si j'avais besoin de passer sur du MK2. Et il semblerait que non. Tant mieux. Ça comme ça. Changement de couleur. C'est un peu plus chiant à faire parce que là je suis pas du bon côté là en plus, tout ça c'est du mauvais côté. Là je n'ai même pas accès là. Ah. Ici, hop, pareil, même principe là devant. Je ralimente tout ça. Même pas où il est barré l'autre machin là. Le souci c'est qu'il est pas du tout dans le bon endroit. Moi, je suis même pas sûr d'ailleurs. Moi j'en suis sûr, je ne le sais pas, mais j'en suis sûr. Il y a une différence entre savoir et être certain. Après on peut savoir de la merde des fois. On peut savoir des choses qui sont pas bonnes. Oula. Je suis sûr qu'on sait des choses qui ne sont pas vraies. Tout à chacun. Ce n'est pas une tare. C'est juste qu'on nous... on nous l'a mal appris, ou alors... on a appris à côté, ou alors on n'a pas été assez curieux pour vérifier par nous-mêmes. Alors on n'a tout simplement pas les moyens de vérifier, ça c'est aussi une possibilité. Je suis en train de me dire, il va falloir que je recolorise chacun de ces tuyaux là. Donc là je me fais un passage sur lequel je m'enquiquine à passer, j'ai envie de dire, hop là. Customisé. Eh bah elle s'est repartie. Oh bah. Wouhou. Toutes les premières machines sont alimentées, donc là... de fait et qu'elle est bonne. Là j'ai mon alimentation qui arrive et donc elle va partir comme ça. Je me suis
trompé de sens. Groupeur. Ah ouais, non, groupeur. Merde, j'ai foutu un groupeur au lieu d'un répartiteur. Je me posais la question, je me disais qu'est-ce que j'ai encore mal me poser quelque part où. C'est bon. Tam. Tididim. Problème de l'autre côté. J'ai possiblement un pouille à trop coller quoi. J'ai tous les côtés qui sont pris là, donc j'ai vraiment pas le choix du tout. Si je le mets comme ça, ça fonctionne pas. Si je le mets comme ça, ça fonctionne pas. Si je le mets comme ça... Si... Je peux gagner de la place. Je peux gagner de la place, on va le faire comme ça. Eh hey, mon vieil là, c'est bon. Oh, eh hey, tu me... Ah. Mettre droit, ce sera peut-être plus... Tac, et toi. Ce qui fait que ça, ça n'existe plus. C'est bon. Ah, vieille là, vieille de mes deux là. Je me suis bourré là, c'est ça, non? Oui. Ah oui, d'accord, ouais, l'entrée du répartiteur est forcément comme ça. Donc. Même principe là-bas en fait. Donc entrée là, hop. Voilà. Ah d'accord, ça va dans quel sens? Ça a l'air de se barrer par là. Oui, ça se barre par là. Voilà, très très bien. J'en étais où? Ouais. J'en étais que c'est de la merde. J'en étais que c'est de la merde. Là, c'est bien, là, je peux alimenter, c'est cool. Hein. Mais derrière ça. Regardez là, ça arrive, mais là je me dis, ah bah là faut que ça retourne par là quoi. Sachant que ça c'est la sortie. Sortie elle est en face. Oh, ça c'est moche aussi. Oh. Ouais, il y en a qui vont faire un petit plouf dans l'eau. Oh, on va finir comme ça. Faites la main. Là, je vais faire un fondation de 1 là comme ça. Hein. Je vais faire un kikiné, hein. Là, hop, je vais faire ça. Comment ça?
mauvais sens. Hop, tac, tac, là, entrée du machin. Et on va se faire là, toi. Je te replace parce que... Voilà, toi tu rentres là. Toi, MK4. Toi, t'es pas du tout en face en fait. Qu'est-ce que j'ai foutu? Toi, tu es là. Toi, je... Chier, ça. C'est bon, là. Ok. Ouais, j'ai pas pied. Voilà. Bah disons que ça va prendre un peu l'eau, mais c'est pas très très grave en soi, c'est dans des bouteilles, donc ça va, c'est fermé hermétiquement. Donc comme c'est fermé hermétiquement, c'est pas un souci. Hein. ce qui fait que... Là c'est la récupération. Que je vais faire de ce côté... C'est bizarre ça. Attendez, attendez voir. Ah non, ça c'est l'alimentation. Je vais devoir faire pincer un tuyau par là, là, je suis en train d'y penser. Bah de l'autre côté j'ai plus de place. Je vais passer les tuyaux de l'autre côté. La plomberie c'est bon. J'en ai ras le cul, je suis pas plombier moi de base. L'électricité ça va, mais alors la plomberie... la plomberie c'est... C'est vraiment pas bon dada. Hein. C'est un coup à te plomber le moral. Bah. Oui donc là on disait on fait la tout ce qui récup. Il s'est fait là, je sais même pas comment il s'est fait là. Bien. C'est une dinguerie. Je clique à un endroit, ça le prend et hop, ça le décale. Allez, on se concentre. C'est que je fais du caca, comme on dit. Je fais quelque chose qui ne va pas. C'est tout. Enfin, bah. Ok, donc tout là, on récupérera notre poudre sans fumée. 400 en tout. Hein. C'est, ouais. Là, ça va être dans ce sens-là de l'alimentation.
ça passe là? Est-ce que ça fait un truc moche si je fais comme ça? Ça va. Ça va. En vrai, ça va. Non, parce que là, en fait, là... Ah. C'est ballot. Hein? Attends, j'ai été con... Ah! Ah oui, non, d'accord. Ok. Attendez, j'ai combien d'entrées? Oui, d'accord. Je disais, j'ai... Donc ça... J'en ai 400. Oh, non, 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 du MK4, ça suffira. Donc... Zut, ni vu, ni connu. Attendez. Est-ce que... Alors je vais essayer de voir un truc. Est-ce que là... On a une sorte de carreau, mais des carreaux pour... pour sol. Cadre métallique. Ça, je passe au travers. Je passe au travers, c'est cool. On va mettre des vitres sur les cadres métalliques. Fondation en verre. Je vais préférer faire ça. Au moins je saurai où vont et d'où viennent mon bordel là si jamais. Un jour je vais y retourner. Non parce que là je vois bien le truc en mode je sais plus. Et en vrai ça a un certain petit charme. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime bien. Ok, donc là on va faire arriver tout ici. La production de ça. En fait. Ah. Oh merde. Je suis en train de penser à un truc. Là c'est bien, j'étais recroupé. Ouais. En fait, c'est que ça va changer un pouilla quoi. C'est que ça. Hop. Ça, je vais faire ça. Ça, ça va là. Voilà. Et là j'ai un répartiteur. J'ai bien mon entrée. Non, c'est pas du tout mon entrée là. Alors, mais là c'est parce qu'il est décalé, ok. C'est bon que ça fait un... Ouais. Je crois qu'à l'avoir décalé je l'ai remal placé, non? Il sort d'où? Pourquoi la sortie est là, mon vieil?
bah ça fait pas de boucle hein. Ouais, d'accord, ouais, ça fait pas de boucle à la con. Et là. Alors là, pour le coup, plus. Voilà. Et là en fait, là. Là je vais avoir moins MK4. D'ailleurs je vais limiter. Mettre quand même 4-3, je vais pas avoir besoin de plus. Donc ça et ça, ça va jarter. Et là, ce que j'en trop, hop, ça sort là-dedans quoi. Ouais, je pense qu'on va le faire dans l'autre sens. Prendre plus câble, oh là là. Et là, ça va alimenter, putain, je suis pas assez rapide. Donc là, j'ai une partie qui va là. C'est que je l'ai pas vu en passant. Là, j'ai la moitié qui va là-bas, donc là normalement si je regarde là. Ah on voit ça passe un petit peu sous l'eau, attendez. Mais vous voyez c'est fermé, c'est imperméable, donc t'inquiète. Donc là cette partie là doit en théorie commencer à produire. Et là je vais faire. Là c'est bon. Voilà. Donc il perd de la pipeline nu. Ah si alors ouh attendez. Je viens de voir un truc. Si pipeline. Nu, c'est écrit nu, N-U. C'est dire que c'est un pipeline. Très intéressant, très très intéressant. C'était une pipeline nu. Là, on aurait un E à nu. Ah. Ah ouais, bah je pense avoir terminé. Je sais pas ce que. Je ne sais pas d'où venait cette certitude, mais c'est une certitude très certaine, mais très fausse surtout. Hop. Merde. Oh, et oh, c'est bon. Là, faut que je fasse la jonction. Il faut quand même que je fasse la jonction. Ma question c'est où? Parce que là j'ai quand même la sortie de ma. Voilà. What? Qu'est-ce que c'est que ça? De la place pour pouvoir passer en dessous. Donc là, hop. On colorie. Ça normalement là on peut encore passer en dessous. Parfait. On va quand même mettre ça là. J'aurais bien voulu mettre là mais là pff, ça va un peu dedans quoi, donc pas terrible. J'en ai pas, tiens, qui sort. J'ai pas relié au réseau. Moi, j'ai rien relié du tout, ouais. Terrible. Bon, c'est pas grave, on lancera tout d'un coup tout à l'heure. Et enfin, pour finir, là, on fait notre récupération, encore une fois. Tac, grouper. Bon.
D'où il sort lui? Oh merde. Merde. Chier. Je l'ai pas vu lui. Ok, là normalement c'est... Oui, il doit en avoir, c'est très bien. Là en attendant. J'ai vraiment galéré pour pas grand chose. Et là je mets mon conteneur industriel. Plus de plaques. De tôle de tôle d'acier ou de trucs en acier, machin. Là, ça fait bien rire. Faut leur organiser un peu là. C'est con, je l'aurais bien mis là. Ouais, c'est quoi, on va le mettre là. Hein? Là, normalement. Si j'ai pas fait de trop grosses conneries. Juste à alimenter. Ouais, ça tourne. Et c'est censé commencer à produire. Il faudra bien vérifier que tout tourne. On va vérifier que toutes nos usines tournent. Ça a l'air. Je vois pas qui clignote. C'est que ça doit être bon. Surtout qu'on ne voit rien sur ce qui sort et ce qui rentre. Ouais, oh putain la prod. En même temps 400 par minute hein. 400 par minute. C'est débile, c'est génial. Je vois un truc parce que ça se trouve là j'ai dépassé ma capacité de production par contre. On est avec. Consomax. J'ai dépassé un peu ma capacité de production en Consomax. Donc tu m'étonnes en même temps avec toutes les raffineries et toutes les assemblées que j'ai mis dans quoi. Là j'ai quand même, j'ai 30 raffineries hein. 30 raffineries, 20 assembleuses, bon, une foreuse et deux mines, ça c'est pas trop ce qui consomme on va dire. Mais quand même. Alors je vais aider, un truc c'est que je suis en train de me dire ça, pas besoin de le remplir manuellement. Non. Enfin tout prendre, tac, paf, on va tout trier surtout. On va le remplir nous-mêmes. Ah, ce qui fait que ça on peut le jarter déjà. Bon lui voilà voilà. Oui, je sais pas trop ce que je vais en faire mais voilà. Et tout ça, ça produit. Oh là 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 là, wonderful, wonderful. Et alors là je vais pouvoir débloquer des choses. Techno, c'est où? Bam. Ça. Si je vais pouvoir le débloquer.
Bah, 200, ça va, tranquille. Bien, si je te... T'enquiquine, pour parler poliment. Je vais prendre, tac, et bah, je vais préparer pour le prochain épisode un petit quelque chose, quoi, histoire de... Attends, ouais, c'est vrai que... J'aimerais bien me débarrasser de cette caisse là. J'en ai une autre, je crois, qui traîne quelque part. Ok, là. Ça a l'air d'être au même endroit. Hein. Yes. Je sais pas ce que j'ai foutu. Voilà. Comme ça, il me reste plus qu'une caisse. Une seule qui est là, je sais pas. Absolument savoir ce que c'est cette foutue caisse là qui me m'enquiquine depuis je sais pas combien d'épisodes. J'ai même pas souvenir d'être passé par là. Ah si, une fois. C'est pas genre en tout début d'épisode. Hop! Bah, il est où? Non? Mais t'as vu que c'était un peu buggé. Je vais peut-être envoyer la map dans le débugger un coup. Bon. Parce que. Bizarre cette histoire quand même. Je suis vraiment pas. Enfin, on va dire, on n'est pas terriblement loin de ça. Hein. Oula. La plante, toi, t'as craché un truc toxique là, c'était pas. Je vous connais, c'est pas L6 hein. Oh là non, je vais pas m'arrêter par là. Hein. Ah t'inquiète, je faisais que passer, c'était pour rigoler, t'inquiète, je déconne. Bon bah vous savez quoi, on va arrêter l'épisode là-dessus pour aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura plu. Hein. Prochain épisode déblocage de technologie, je pense. On va continuer avec ça. Et là comme vous pouvez voir là ce que je vais faire. C'est mettre une foreuse sur le minerai de MA parce que j'en ai, malgré ce que j'avais retiré, j'en ai pas assez. Donc je mets la foreuse et je vais traîner dans le coin histoire d'en récupérer. C'est ouf. C'est dingue. Je peux en faire plusieurs parce que ce stack, c'est vrai. Bah, vu que c'est impur, je vous avoue, la production. Hop. La production est pas terrible. Terrible quoi. Voilà. La prod là, j'ai 20 par minute. Bien, quand même. Je vais produire la plus cuisine. Allez, moi je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. C'était Tiob. 1h10. Wow. Ciao.